Yo mes petits loups, j'espère que tout le monde va bien, c'est ça me suffit. Je vais rejoindre le frérot TF, donc vous avez déjà dû voir mais tellement fois dans mes vidéos, mais le mec il est là, tu vois. Donc on va aller le rejoindre parce que le TF en question s'est acheté un GSX-R 1000 K5. Et là je vais l'accompagner s'acheter une coque arrière pour son petit monstre. Donc je peux te dire que là mon pote, on va avoir une team de GX 1000, mais et je te dis pas, tu vois, genre... des 1000 cm cubes avec Cédric son S1000RR, Rascal son GX 1000 K5, TF son GX 1000 K5, moi avec le L2. Ah mais ah, on est paré pour niquer des mères là hein. Donc là on va le rejoindre à l'esprit motard. J'avais rendez-vous à midi, il est midi et demi, j'arrive à 13h. Je pense qu'on part sur une bonne base de connards, tu vois. De toute façon, est-ce que vous m'avez déjà vu une fois à l'heure? Juste une fois. Même quand je suis venu au monde, j'étais en retard frérot. J'étais en retard. Bon, je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais regardé la météo ce matin, ils annonçaient vraiment un beau ciel bleu. Et ben là, j'ai l'impression que je me suis fait un petit peu entuber, tu vois. Donc bon, j'espère qu'il pleuvra pas parce que, évidemment, je n'ai pas pris ma tenue pluie. Évidemment, évidemment. Le mec met 3 ans, me doublé. Allez Monique, appuie sur le champ picuse. Bon, on a pris le petit TF. Je pense que ça va rouler comme des enculés parce que à cause de moi, on est terriblement en retard. Donc voici son fameux GX. Donc forcément il va changer toute cette partie là. Eh hey, je suis en train de vlogger. Eh hey, vas-y go 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 là, dis pas de conneries. Eh hey, je kiffe la couleur franchement. Sartec. Je peux pas penser frotter, hein. Il est con. Ah, c'est sûr ça va rouler comme des enculés là. Putain, quand t'es passé entre les deux camions, gros. C'est là, Almata. Hein? Putain mon gars, pour te rattraper là, j'étais dans la courbe, la montée a gigoté, c'était quoi ça? Putain mais regardez-moi sa moto, regardez-moi ça là, là. C'est ça qu'on aime. Freestyle, ghetto youth. Sato Racing. C'est bon, t'es plus paumé? Attends, on va aligner la forêt. Eh, eh, cliffhanger. Ok. Oh mon gars, comment elle a pétaradé ma moto là. Ah ouais. Oh là là, en quatrième. Tu décèles là, ça fait moins papa, papa, papa. Troisième guerre mondiale, mon pote. Ouais, tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? J'entends plus ma moto là, enfoiré. Ok. Eh, ça va, on est à l'heure hein. Ah bon? 14h01 mon gars. Mais non. T'as vu ma mère? C'est ça les GX mon gars. Ouais. Donc voici le GSX-R un sax. Oh, le truc il a poncé quoi. Mais en même temps il a acheté une michée de pain. Il a acheté 1500 ou 1700 euros je crois. GX 1000 avec ligne complète Sato Racing. Donc ouais, fait un bon bordel hein. Bien sûr, floutage manuel hein, déchicané. Non franchement propzer hein. Propzer. Bah sans rétro c'est vrai qu'elle est plus jolie que la mienne sans les rétro. Mais c'est tellement utile aussi. C'est bon, t'as les sous-sous? Putain, c'est un truc de ouf ça. Ah je sais pas ce qu'ils ont les gens ce soir mais c'est un truc de malade. Pourtant je remonte pas les fils à balle hein. Ah qu'est-ce que tu fais gros? Au calme. Oh
Oh, ça a tellement pas de patates, c'est abusé. Ah ouais, ouais. Mais pourquoi t'as pas ça toi aussi là? Par contre, calme-toi tout de suite. Hein. Oh. Ah, je viens de rentrer dans mon casque, ça pue. Ah ouais, c'est mon casque, hein, je fais ce que je veux. Hein. Est-ce que je rentre dans le tien, non? Ça marche pas? De quoi? Le ticket? Ah, il faut pas passer là? Ah merde! Ah! Ah bah je me suis planté comme vous! Ah, je vous ai suivi, j'ai pas fait gaffe! Putain, l'autre il a même pas ses codes quoi, sérieusement. Putain, il a que les petites LED à l'avant là qui permettent de voir à peu près où il se situe, mais c'est abusé quoi. Ah merde. Oh putain, c'est chiant. Heureusement, il n'y avait pas de dégâts. Mais bon, ça fait chier quand même. Ah bah ouais, gros, mais si tu regardes pas aussi, putain, sans déconner quoi. Mais t'as vu, s'il m'avait entendu arriver, T'es prêt à te prendre des branches? Tu te fous de ma gueule là. Aïe, non, tu vas casser mon truc. Cette frustration d'être en 125, c'est un truc de ouf. Quand t'es tellement à bout que t'as la flemme de retirer ton casque parce qu'il flotte, ça n'arrête pas. Voilà, ça s'est un petit peu calmé, mais flemme quand même d'enlever le casque, tu vois. Donc du coup, voilà, tu le gardes sur la tête, tu marches comme un bonhomme, tel un cow-boy, mon gars. Et là, s'il y a quelqu'un derrière moi, il doit se dire, mais putain, mais il parle tout seul. Oh, ça va, personne. Faut peut-être du motovlog à pied, nous. Le mec invente un nouveau concept. Ah, putain. Avec ma visière qui arrête pas de tomber là. Le mec perd toute crédibilité. Oh les trous mon pote. Oh là là, un truc d'enfoiré ça. Putain les trous qu'il y avait quoi. En plein dans le virage mon pote, tu peux rien faire. Si t'arrives plus vite c'est fini, tu guidonnes, tu perds à l'avant, laisse tomber quoi. Et après on vient de parler de sécurité. Déjà commencez par refaire quelques routes. Et après on en reparlera peut-être. Ok. Ah putain, incroyable.
on a pu se faire arrêter pour un truc à la con quoi. Non mais sérieusement. Oh putain. En plus, au moment où t'étais en train de te rapprocher, ses amis dans le rétro, je fais oh putain merde. Et mec, c'était choqué. Surtout le mec à l'arrière était comme ça. Ouais, grave.